Salut les gens, on se retrouve pour la dernière vidéo de la GameZest. Eh oui, déjà ça passe vite hein. On est sur un liquide, on va finir sur un liquide tabac qui est le MaxxBlend. Voilà, le MaxxBlend avec 2X. On va commencer par la fiole. La fiole, c'est une fiole toute dure avec dessus toutes les indications nécessaires, à savoir le numéro de l'eau, la traçabilité, etc. On a également une date, une préférence de consommation. On va retrouver les indications de précaution d'utilisation, ainsi que les pictogrammes femme enceinte, recyclage, moins de 18, la faune, la flore, etc. La petite tête de mort. On va retrouver le dosage, 70% PG, 30% VG, le fait qu'il y ait de l'eau pharmacopée, le fait qu'il y ait des arômes alimentaires et de la nicotine pharmacopée également. Et voilà, c'est ça. Et de la nicotine végétale, 10%, 12% pardon. On a un bouchon sécurité enfant et une canule, puisque ça s'appelle comme ça, donc je l'appelle comme ça, une canule pour pouvoir servir le liquide, qui est assez pratique. Voilà, fiole sympathique, même si au départ j'ai eu quelques réticences quand je les ai vues. Mais finalement, à l'usage, c'est plutôt sympa. On va tester ça sur NaClear 30S. On a une résistance de 2,1, on est à 9 watts. Et puis bah c'est parti. Une belle vapeur. On a une belle vapeur, on est bien sur du 70-30. En gros, ça correspond à une cigarette classique. En termes de hit, on est sur un hit qui est raisonnable à léger. Il est fin de gorge et il descend un petit peu, type de hit que j'apprécie moi particulièrement. En termes de saveur, on est sur quelque chose d'assez spécial. Je redirai ce que j'ai déjà dit sur d'autres liquides tabac de la gamme. J'ai l'impression qu'ils sont en dessous du goût qu'ils devraient avoir s'ils étaient en pleine puissance. Et celui-ci avec une demi-mesure, parce qu'il est quand même bien présent. Il n'a pas d'odeur comme ça qui va perdurer dans l'air. On va juste avoir un léger truc, voilà, qui va être là, mais ça c'est pas super gênant. Qu'est-ce qu'on a? C'est un liquide tabac qui me donne moins l'impression d'avoir un petit goût de cacao. Un petit goût de cacao et un petit goût d'écorce, en plus du tabac. C'est spécial comme mélange. C'est pas désagréable. C'est pas désagréable, ça se va plutôt bien, il est plutôt passe-partout. Il assèche pas la gorge, mais laisse un goût en bouche assez présent. Ouais, il est bon. Il est bon comme petit liquide. À noter, ça va être compliqué, encore une fois je vais avoir du mal et je vais osciller entre du 3 et du 4. Je vais lui mettre 4 parce que je trouve qu'il est plus recherché que d'autres liquides que j'ai pu goûter. Et puis si je me réfère à ce que j'ai fait précédemment sur les autres liquides tabac de la gamme, je peux pas lui mettre en dessous. Ça va pas, ça, voilà, ça serait pas possible. Donc je lui mettrai 4. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette gamme? La gamme Zest, pour moi, c'est... on est vraiment sur des liquides qui se rapprochent de plus en plus de la réalité. On est sur des liquides qui... voilà, vous prenez de la poire, vous aurez de la poire, vous prenez du citron, vous aurez du citron, vous prenez du tabac, vous aurez du tabac. Ça sera pas un truc super... super compliqué où il faut se dire ah ouais mais peut-être que derrière au fond il y avait du tabac. Non, vous avez du tabac et vous allez le ressentir. Ça plaira pas forcément à tout le monde, c'est pas des tabacs qui plairont à tout le monde, c'est pas notamment ce tabac là qui sera pas forcément pour tout le monde, mais voilà, il y a au moins la prétention d'arriver avec quelque chose de nouveau et ça j'apprécie. Que dire de plus? Merci Sébastien, merci Véronique, il me semble. Oui, il me semble, voilà, c'est ça, pour m'avoir fait confiance et puis m'avoir permis de tester ces liquides-là et de vous les présenter. Et puis bah, voilà, faites-vous votre idée, vous arrêtez pas à ce qu'on trouve dans tous les shops, il y a plein de choses ailleurs, il y en a sur le net, il y en a un petit peu partout. Faites-vous plaisir, la vape c'est un peu ça quand même. Alors en attendant, on se retrouve bientôt, ciao.